Merci. Nous célébrons aujourd'hui les 34 ans de l'indépendance de notre pays et sous les signes de la grande résilience et la reconquête de notre souveraineté. Et je voudrais en ce jour solennel rendre un vibrant hommage au père de l'indépendance, en l'occurrence le président Modibo Keïta et ses illustres compagnons qui ont tracé la voie de l'honneur et de la dignité. L'anniversaire de cette année est marqué par, se déroule dans un contexte marqué par de nombreux défis, notamment la lutte contre le terrorisme et le développement. La lutte contre le terrorisme est un engagement national et international que le Mali va toujours honorer. Et cela a été réconforté dans le cadre de la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et nous allons mettre tous les moyens aux trois armées pour traquer des jours comme de nuit ces groupes armés sans foi ni loi, jusqu'à ce que nos trois pays soient totalement débarrassés de cette menace terroriste. Les récentes attaques terroristes ayant visé l'école de la gendarmerie et l'aéroport montrent aisément les actes désespérés des groupes armés qui avaient pour seul objectif de saper le moral des troupes et de briser l'élan de solidarité du peuple malien autour de nos femmes. Je tiens à rassurer le peuple malien et les États de l'Alliance du Sahel que nous allons combattre ce fléau avec la plus grande détermination pour que nos pays puissent vivre dans la paix et dans la concorde. Et je tiens aussi, une fois de plus, à rappeler nos trois États de faire l'union sacrée autour de nos forces armées de défense et de sécurité. Et sans un soutien total et constant de nos peuples, cette lutte sera énormément difficile. Nous avons besoin de l'accompagnement de nos populations. Et en ce qui nous concerne, nous allons combattre ce fléau, comme je viens de dire tantôt, de nuit comme de jour. Et je tiens aussi à saluer l'engagement de nos différentes populations suite aux récentes attaques. Et nous avons vu l'engagement de nos populations qui ont aidé les femmes et souvent à la recherche de ces terroristes. Et je voudrais aussi saluer et remercier nos partenaires qui nous soutiennent dans ces moments difficiles et les rassurer que le Mali et les États du Sahel restent ouverts à tout partenariat dans un esprit de gagnant-gagnant et surtout de respect mutuel. Je voudrais aussi m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires et souhaiter aussi prompt rétablissement aux blessés. Une fois de plus, bonne fête d'indépendance à toutes les Maliennes et à tous les Maliens ainsi qu'à nos partenaires. Je vous remercie.